Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 57e épisode de Smallland en coop avec Nicia Capo, Sab Damien Petit Ange, et aujourd'hui, on a battu l'araignée albinos, on va rentrer à la maison. Allez, c'est parti. Oh, il y a des copines là, j'avais pas reçu ça de l'eau. Ouais. Ah oui, bah on vous voit, vous êtes en face de nous. Regarde. Attends, je suis en dessous. Je suis chez Lisa. Ça fait mal. Ils sont où? Je les vois pas. Bah, on est en dessous, dans le trou. Alors, bonjour madame Lisandra. Sola. Si c'est à elle. Sola, t'as vu? Je sais pas parler. Nicia, c'est bon, t'as vu? J'ai réussi à tuer l'araignée albinos géante. J'ai rapporté l'un de ses yeux, comme vous me l'avez demandé. Oh, c'est vrai, posez-le sur ce côté. Je vais l'examiner. Alors, une nouvelle armure. C'est bien ce que je craignais. L'œil est trouble et injecté de sang. Ça suggère que cette araignée a été empoisonnée. Je ne connais aucun poison capable d'infecter une créature d'une telle taille. Du poison? Qui pourrait bien avoir des connaissances sur des poisons aussi puissantes? Tu as là, une amie de longue date m'a enseigné tout ce que je sais. Je suis sûr qu'elle connaît ce genre de poison. Malheureusement, elle a disparu juste après son accident. Personne ne l'a plus jamais revue depuis. On l'a déjà revue. J'ai entendu dire que Nock avait elle aussi rencontré certains problèmes ces derniers temps. Apparemment, un frelon noir aurait pris le contrôle des terres grises là où elle réside. Ces événements pourraient-ils avoir un lien? Et j'ai la friandise pour araignée loup. Quoi qu'il en soit, vous méritez une récompense pour avoir éliminé l'araignée albinos. Prenez cette recette de friandise pour araignée. Vous pouvez utiliser cette friandise pour vous lier d'amitié avec les araignées loups que vous aurez affaiblis au préalable. Merci. Bon, il faudra de toute façon qu'on les refasse pour que tout le monde les ait. Il y a des cocos encore ici, Capo. Ah non, là tu peux pas derrière. Ah, c'est en là aussi. Est-ce qu'elles ont les petites araignées là? Pourquoi elles s'excitent? Pour faire de l'animation. Mais elles sont pas bruyantes comme ça d'habitude. Araignées sauteuses. L'autre fois, elles étaient pas plus petites. Non, je pense qu'elles étaient comme ça. Elles étaient moins bruyantes. Bah là, il y a une grotte. Bah, c'est une sortie. C'était la sortie. Ah qui non, donne il y a jusque... encore des œufs dedans. Il y a encore des œufs dedans. Oh là là, c'est un truc sans. Il va me falloir l'atelier, s'il vous plaît. On peut pas ici. Ici, on peut pas. Je veux bien essayer dans la grotte, mais non. Par là, il y a rien. J'ai rien vu. Là, il y en a encore, là. Ah, ça continue de l'autre côté. Attention, on est parti de l'autre côté, du coup. Ouais, mais de l'autre côté, ça rejoint la lumière, je crois. Une petite torche, là-bas. La lumière de... Il y a sa dame qui est restée en haut. Oh, c'est pas bien grave, on va pas se sauver sans lui. Quoique, est-ce que ça serait pas le bon moment, justement? Ah ouais. T'inquiète pas, il est pas une mort près. Ah oui, c'est vrai. Il est habitué. Il se vengera en construisant des trucs qu'on ne comprend pas. Oh, bon, on a fait le tour, hein. Ouais. Elles sont parties par l'autre côté, du coup, sorties de l'autre côté, tu viens à la sortie en bas. Elle roule. Ah, il y a une sortie en bas. Qu'est-ce qui y arrive? Une veuve noire. Ah. Là, si tu peux faire l'atelier ici, si ça te dérange pas. J'essaye. Là, je vais prendre les cocons qui sont là. J'essaye, je regarde. Mais je crois qu'on est obligé de sortir loin, ouais. Là, je peux pas. Ah, sinon, je vais essayer. Là, c'est bon. J'arrive là. Alors. J'arrive, je répare et je récupère les pots. Moi, j'ai toujours pas de silex. Je peux toujours pas réparer. Bah oui, je suis désolé. J'ai pas de silex à moi. Ah, mais elle était là, la sortie, en fait. Il y a des cailloux, mais ils donneront pas de silex, même si on tape avec notre. Bonne pioche. Elle donne où cette sortie ici? On est passé juste à côté tout à l'heure en fait.
Ouais. C'est des gros bidons par à côté desquels on est passé. Ouais, j'ai plein d'araignées devant moi. Ok, super. Attends, je répare. C'est bon. C'est pour moi, c'est réparé. Hein. Je prends un peu d'écorce au passage. J'en ai pris aussi tout à l'heure. Oh, la pioche est deux coups sur l'écorce maintenant. Ouh, oh là là, j'ai 3-4 araignées. Oup, op, op, op. On attend Savdam peut-être, non? Mais... Oui, je, même s'il y en a un qui veut bien venir m'aider, là. Attends, j'ai 3-4 araignées devant moi. Mais va chez Lisandra. Rentre chez Lisandra, il n'y a que des... Chez Lisandra, il n'y a que des petites araignées sauteuses qui font pas mal. Pourquoi elle m'attaque? Les araignées sauteuses, elles t'attaquent pas. Ouais, mais lui, il est resté en haut, non? C'est bon. Non, c'était dans sa tête. Non, j'en ai une qui m'a attaqué tout à l'heure. Mais non, elles attaquent pas les araignées sauteuses. Ouais, je sais pas. Donc c'est bien par là la direction. Attends, oui, c'est par là. Ouais, c'est par là. Ah non, c'était à gauche. J'arrive après, je sors de chez elle. Ah, t'as Nicia qui te rejoint là. Ouais, c'est bon. Merci Nicia. Allez, Sabda, montre-nous. Non, non. La sortie. Ouais, mais Mazaza, t'as l'habitude, toi. Ouais, mais non. Il y a trop de monde. Est-ce qu'on retourne à l'arbre qui est à côté de Skadi? Qu'est-ce que vous en pensez? Skadi? Skadi ou Skadi pas? Skadi? Hein, Skavoudi ou pas? Est-ce que, ça, est-ce que Skavoudi? Skavoudi pas ou Skavoudi? Je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire après? On doit faire quoi? On doit aller où? Bah, on voulait se faire l'armure en pyrite. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, l'armure en pyrite, c'est garder les ailes de frelon, du coup, seulement pour voler. Si t'y pas du coup, c'est par où? C'est par là. Ouais, où, là, du coup, on va à quelle arme? Direction est. Ouais, tu voulais des champignons vénéneux? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, ce serait pas mal d'en reprendre. Il y avait une araignée vénéneuse avec. Ils doivent se faire en un coup maintenant, les champignons. Ah oh ouais, c'est... oui. Ah, il y a des cocons là, capot. Où je suis. Ah, il y a des araignées aussi. Ah, il y a des araignées aussi, oui. Je viens de l'entendre. Il cocon dit araignée, généralement. Hein. Pardon. Là, tiens. Je fais les cocons, vous avez de l'écorce en même temps, si vous voulez. Moi, je fais les cocons. Moi, je fais l'écorce. Bah zut, j'ai pris des champignons comestibles aussi. Elle m'a fait bobo, la vilaine. Bah, pour de la nourriture de base, c'est pas mal, les cocons, les champignons. Oui. C'est vrai que maintenant qu'on les tape en un coup, j'ai mis un atelier pour qui veut. Ouais, j'arrive. On va pas aller là. Je répare. Par contre, c'est quoi ce... Ça, c'est un tunnel qui donne vers le sud, on dirait? Non, c'est juste un arbre creux. Tout le monde a réparé? Ouais, parce que moi j'ai mis mon atelier là, où il y a les cocons. Par contre, vous me donnez juste une petite minute? Ah! Vilaine! Restez à côté de moi, je reviens tout de suite. J'en profite. J'ai une araignée, alors je peux pas venir. T'es où? Bah ça y est. Elle est morte. Mais il y a des cocons où je suis. Bah tiens, laisse l'atelier, comme ça je m'en servir dans la foulée. C'était fait pour ça. Ah,
Il y en a une autre qui arrive. Micia. Quack. Et désolé. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils se moquent. On passe dans l'arbre? C'est joli l'arbre. Il y a toujours plein de cocons là où je suis. Hein. Bah attends, j'en ai encore plein aussi où je suis. Ouais, mais je sais pas où t'es par contre. Moi je suis rentré dans l'arbre creux là qu'il y avait juste devant nous quand vous m'attendiez. Il y a des cocons dedans. Il est devant là, bien ici. Bien. Tu as vu? C'est bon? Ouais, c'est bon. Je suis derrière. Donc, je reviens à l'atelier. Oh, il y a du cocon partout ici. Hein, ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Attends, je répare au fur et à mesure. Parce que je ne veux pas être dans le même souci qu'elle rouge. Je reviens vers les cocons. Là. Par où les cocons, par là? Là, il y en a encore un petit peu plus bas, ouais. Ah, ouais, là, il y en a plein. Heureusement qu'il n'y a pas de problème de poids. Hein. Bah, ça va. Si je mettrais un poids. C'est pas la soie qui est le plus lourd. Hein. Non, mais je parle. L'écorce, par contre. Il y a quelqu'un qui peut refaire un atelier dans le coin? Ouais, j'essaye de revenir, mais je sais pas, je me suis mis à genoux ou je sais pas quoi, et j'arrive pas à me relever. Alors je marche lentement. C'est pas l'heure de la prière pourtant. En mode hop là. Elle veut même plus sauter. Qu'est-ce que je fais? Systématiquement, elle nous fait mal. Hein. Ouais. Elle veut venir, elle fait très mal. Ah, alors attends. J'ai appuyé sur la touche C. J'ai appuyé sur la touche C, mais là je rappuie dessus, ça me. Ah, c'est... ça y est. C'est CTRL C que j'avais dû faire. Pourquoi? Je sais pas. Ok. Hop. Et ben voilà. Bye. Il ne peut pas se couper. C'est bien un cocon, ça. J'arrive pas à taper dessus. Non, bah, il est pas sûr. Peut-être. Il est trop près de ça. Je veux pas. C'est qu'il y a de la soie, tu vois, là. Ah, si, c'est bon, ce côté. Moi, j'ai de la soie. Tu peux me donner celle-là? Voilà. C'est bon. Là, t'en as encore trois cocons capot. Attends, je répare. Un peu plus haut, là. Ils sont fragiles, les cisariens. Ah, oh, puis il y en a encore plein là. Voilà. Ouais, je crois qu'on va en avoir assez de soi. Hein. Ah oui, oui. Moi j'en ai 40 déjà. J'ai 17 champignons vénéneux, 17 comestibles. Toujours avoir de la soie sur soi. Oui. En soi, il vaut mieux avoir de la soie sur soi. C'est pour son estime de soi. Soit. La soie, je l'estime pas plus que ça. Hein. Là, j'ai des têtes d'araignée, quelle horreur. Non, mais comme c'était l'épreuve de philosophie, aujourd'hui. Ah bon? Oui. Ah, c'était l'oral, aujourd'hui. Ah bon? Non, c'était la philosophie. C'est hier, l'oral. Et aujourd'hui, c'est la philo. Ah ouais. C'est l'écrit de philo, aujourd'hui. Là, c'était l'oral. Bon, je peux défaire l'établi? Ouais. Yep. Bah, vous allez où? Je sais pas. On va par ici. Avec la soie, 1, 2, 3, 4. J'en ai 130 soies, je pense que ça va. Ouais, c'est bon. Même encore là au pied de l'arbre. Je m'arrête plus pour la soie, non, c'est bon, il met assez. Par contre, je sais pas où je vous emmène. Je pense qu'il faut aller sur l'autre branche à côté, non? On va te suivre, hein. On va voir où ça nous mène tout ça. Au milieu des veuves noires? Il n'y a que des veuves noires là. Ah, oula, merde. Il y a quelqu'un qui est tombé. Je suis tombé aussi. Enfin, je suis tombé, mais pas dans l'eau, ça va. Moi aussi.
Ça allait où? Il y a le noir qui arrive. Vous arrivez. Ah non, c'est les loups. Tout va bien, c'était une araignée. Ouais, j'en ai une sur le dos. Oh merde. Mais vous faites? Je vois rien. Je voyais rien, donc j'entendais taper, je tape. Hein. Puis comme elle tapait, bah, je tapais aussi. Comme l'autre, il a dit j'en ai une sur le dos, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, du coup, je l'ai tapé toute seule, l'araignée. Pendant que vous tapiez. Ça. T'as dit j'en ai une sur le dos, et hop, on s'est mis à taper sur le dos de Sabdam. Je crois que vive la le loup, ou vive Grand Optical, ou... Ouh. Encore une loup. Aïe aïe aïe. On croit qu'on est aidé parfois, mais et non. Non. Il y a de l'écorce là. Si petit on... ange. Petit ah. ange. Suis, puis après. Je suis perdu. Ça me saoule. Mais je t'en prie, tu vas te calmer là ce soir. Qu'est-ce que t'as bu ou mangé? Bah, tu m'as tapé dessus, alors je me venge. Fais quelque chose, soigne-toi. Il est... Ah non, ça c'est foutu. Ça. Ah, c'est foutu. Bon, ben, on va appeler le petit bonhomme en blouse blanche. Hein. Il est irrécupérable. Ah, il y a des... Il y a un noir qui vous suit, là. Moi, je m'éloigne, hein. Il y a des champignons venimeux. C'est dangereux. C'est dangereux. Pareil, il vous a suivi, je l'ai laissé passer, hein. Par contre, on ça... va, là. En face, il y a un arbre, non? Ouais. Je sais pas, on est à une fontaine, là. Oh là. J'ai récupéré des champignons, mais... C'est la fontaine de Jouvence. Oula, oui, Comment assez te dire ouais, comment te dire? Ils sont bien, là, ils sont jolis. Non, mais regarde... Faut mettre un socle? Non, mais il y a une partie qui est pas dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. C'est reposant de regarder les autres travailler. Oui. Ah, je vois ça. Ah, il y a des fraises à droite. J'ai plus de place. Je crois que j'ai encore un peu de place pour ça. Elles sont où tes fraises? Je les ai aperçues. Là. Et où est-ce qu'on va comme ça, là? On va. Un arbre. Mais... Ça vous dit pas des fraises? Vous êtes pas arrêté, hein? Vas-y, je viens avec toi. Ils sont partis. Mais moi, je vais surtout appeler l'arbre. Le temps que je revendique et que le truc descende. Ah mais non, mais attends, il est au-dessus. Bah oui, moi je te suivais, mais bon. Bah, moi, je me suivais pas. Hein. Non, mais du coup, c'est pas une bonne idée, les branches. Elles y vont pas. Non, je sais pas. Ah, il en reste une. Hop. Non, mais je l'ai pas vu. Hop, purée. Et ben voilà. Voilà, l'arbre, il est où? Non, l'arbre, il est où? Ils sont où, les... Comment on remonte? Ils ont dû partir par là. Par en haut? Là, j'y suis pas arrivé tout à l'heure. Bon, bah, je repars par le trou. Ah oui, il y a un arbre, là. C'est vrai. Bah, on va monter par les champignons, là. Attends, il y a la racine, là. Carré. Cubique. Cubique. C'est bon, Nicia? Ouais, je suis derrière. Ces têtes d'araignée que vous laissez derrière vous. Ah bah oui, mais il est pas encore à nous. Mais non, c'est pour ça qu'il faut que je revendique. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça à la base que je partais devant. Je m'arrêtais pas pour les fraises alors que j'avais pas la place de les prendre.
Parce qu'il y avait un arbre revendiqué. Je suis arrêté pour les fraises et puis je suis devant toi. Ah oui, parce que je suis pas parti de mon côté. Et en plus, j'ai des fraises. Et moi, j'avais pas la place de les prendre, tes fraises, de toute façon. Et en plus, tu ramènes les fraises. Bon, arrête de ramener ta fraise, c'est bon. Ah, ceci dit, j'ai des fibres en rab. Ils sont beaux, nos équipements. Ouais, c'est ce que je me disais, elles sont belles, les ailes. Je pensais plutôt aux épées et à la hache. L'épée est belle. L'épée en doré, la hache en doré, elle est jolie aussi, la hache. Ouais. Mais c'est bon, là. C'est... Vas-y, fais-moi mal. Ah bah là... Bon. Alors... Hop, ça c'est fait. Tiens, faut reprendre un peu des pansements aussi. Ah bah là, on en a consommé, hein. Enfin, moi j'en ai consommé. Évidemment, je fais tous les coffres où on n'a pas récolté. Par contre, je devrais prendre. Je pense que les caisses, on en a assez. Oh, la chitine, on est plus. Il va falloir un coffre chitine épaisse, un coffre chitine normal. Non, on n'a plus besoin de tant que ça, donc. Ouais, puis je mets ma chitine dans le coffre vide poche. Attends, par contre, là, il y a du charbon ici, on va peut-être pas le mettre dans le vide poche quand même. On peut en avoir besoin. Non, le charbon, il était censé aller avec le bois. On avait dit, on regarde si. Quand on veut faire du charbon, on regarde dans le coffre de bois, donc. C'est ça. Je l'ai rangé, c'est bon. Ça. J'ai des poils. Il veut des poils. Bah, tu peux les mettre dans le coffre à poils ? Non, coffre à poils. Les glandes venimeuses, je pense que c'est à côté de la table d'apothicaire. Ah, attends, c'est ça, exactement. Ouais. Les écorces au-dessus du bois. Et la viande, là, ici. Ça, j'en ai pas. Ah oui. Et les œufs d'insectes, c'est dans quel coffre? C'est un des trois coffres qui est perpendiculaire à la grande rangée. Attends, je viens de voir une tête d'araignée là, dans ce coffre-là. Je vais aller la ranger. Les têtes d'araignée, c'est dans la bouffe. Hein. Bah oui, je sais. Mais j'en ai vu une là. Je pense que c'est une erreur. Donc... Attends, quelqu'un dans l'équipe qui mettrait pas les trucs dans le bon coffre ? Non. 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 C'est pas possible. Non, c'est pas non. possible. Il y a personne qui fait ça, qui oserait faire ça. Non. Discrètement. Non. Non, parce que je vois que j'ai un truc sur moi que je devrais pas avoir. Donc... Il dit j'ai dû l'échanger contre quelque chose d'autre. Contre une tête d'araignée, par exemple. Peut-être bien. Ce serait pas impossible. Sauf que... Ah non, c'était ici. Petit coffre, je te donne ça, tu me donnes ça. Hein. Je fais directement bouillir les champignons à capot, comme ça je mets les champignons bouillis. Ça prend plus de place, mais comme ça, il n'y a pas à faire l'aller-retour. Après bouillir. Du coup, il faut aller faire les armures en pyrite. Et il nous manque quoi pour faire les armures en pyrite? Je t'invite à regarder dans le codex pour le savoir. D'accord, codex. À ouvre-toi. Je sais plus comment s'appelait le monsieur. Les champignons. Dans un des coffres de droite, là où il y a les végétaux, celui. Les deux coffres de droite, c'est celui de gauche. Allez, champignons. C'est l'historien. Alors, il faut 4. Et on fait tout sauf le... Sauf... C'est quoi?
C'est les polyempirides qu'on fait pas, du coup. Ok. Alors, le home. Peut-être 12 spirites chacun. Ouais. Bah attends, je vais commencer à séparer des stacks. Pyrite, t'as dit 12 chacun. Ouais. 6 fils de soie chacun. 12, ça fait 60 pyrites. Je compte bien. Oui. Voilà. Il faut 60 pyrites, il faut donc. J'ai dit quoi ? 2, 4, 6 fois 5, 30 fils. 30 fils de soie. Donc si quelqu'un peut en crafter les fils de soie. Ah ok, je vais voir comment. Ah bah dans la dans l'atelier de. Du cuir, il en faut 2. Alors le soie, tu l'as mis où ? 6. Il faut 30 cuirs d'ertile aussi. Cuir d'ertile, 30. Cuir ou peau ? Cuir. Cuir, ouais. Et il faut 60 lingots de fer. Alors, cuir. Fil de soie. C'est où cuir ? C'est pannerie. Je regarde pour les lingots de fer, du coup. T'as dit 30 cuir, c'est ça ? Ouais. 60 lingots, donc on en a déjà 45 lingots. Je vais en crafter 15. Ah, pour faire du fil de soie, il faut de la résine. Ok, c'est suffit. Ouais. Que m'inspire ma tête. Donc il y a des trucs bizarres. C'est voilà. Pour ça qu'il y a des trucs voilà, qu'on peut pas comprendre. Ah non, c'est incompréhensible. Il est pas tout seul dans sa tête. Ok, donc pyrite et cuir, c'est bon. Il me remet les lingots. Mais cherche... Ah bah voilà la résine. Je m'occupe des lingots. Ouais. J'ai pris les 45 qui étaient déjà faits, donc ça va être rapide. Hop. Je te fais encore un fil et c'est bon. 60, un gros. Je mets ça dans le coffre vide-poche. De droite, j'ai commencé à faire les colonnes. Non, 35, il y en avait, donc j'en ai 40, il m'en faut encore. Ouais, mais alors, il en faut... Il t'a dit d'en faire combien ? 30. Donc ça fait 6 par personne, donc tu mets 6, 6, 6, 6 et t'en gardes 6 pour toi. Alors. Shift clic gauche. Shift clic gauche, tu peux choisir 6. Yep. Voilà, le fer, tout le monde va être juste. Hein. Ah non, il y a encore 20 lingots de fer là, c'est bon. Je prends ce qui est prêt, hein, il y aura 14. Il reste 14 lingots et 20 fragments. Bon. Combien il en faut par personne? Je vais prendre les miens à ce moment-là. Ouais, non, mais je les sépare. Attends. Bah, tu peux les mettre dans le coffre à ce moment-là. Ouais. Il en faut, j'ai 10, 12 à chaque. Tu peux les séparer dans le coffre hein, directement, Capot. Ouais, pas con. Et tiens, je t'ai fait ton paquet de 12. Voilà, mais... c'est bon. Mais tu peux mettre dans le coffre. Fais les colonnes dans le coffre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.